Bonjour à tous, donc je me présente, Noélie Ossel, spécialiste produit pour tout ce qui est nouvelles technologies, pulvérisation et semis. Je vais vous présenter aujourd'hui une technologie que l'on appelle le manure sensing. Le manure sensing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un capteur que l'on va monter sur une tonne à lisier. Peut-être que cela va vous parler, c'est le même capteur que l'on va retrouver sur les ensileuses, sauf qu'il va avoir une application un peu plus différente qui va permettre de mesurer et d'analyser les constituants du lisier. Pourquoi avoir choisi cette solution? Tout simplement parce que le lisier est un coproduit que l'on ne valorise pas forcément suffisamment au niveau des exploitations agricoles, du fait de sa forte hétérogénéité et du peu de contrôle que l'on peut avoir lors de son épandage. Donc la solution que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir mesurer en temps réel la qualité de votre lisier pour pouvoir maîtriser son application. Rien de tel qu'une explication en cabine. Je vous invite à rejoindre François pour en savoir un peu plus. Comme vient de vous l'expliquer Noélie, nous allons pouvoir, grâce au manure sensing, contrôler directement l'application de notre lisier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous n'allez plus appliquer un volume à l'hectare, mais directement une quantité d'un des constituants du lisier. On retrouve ici, sur la page de notre console, la première valeur qui correspond à l'azote, sur laquelle nous avons fixé une consigne de 95 unités à l'hectare. Comment est-ce que le système fonctionne? Et bien tout simplement, en fonction de l'analyse qui est faite par l'Harvest Lab, nous allons donner une indication de vitesse au tracteur qui, s'il est équipé de la fonctionnalité TIA, va adapter lui-même sa vitesse d'avancement pour atteindre les 95 unités d'azote épandues à l'hectare. Je vous invite à retrouver plus d'informations sur notre site johndeere.com ou tout simplement nous rencontrer sur les différents salons où nous serons présents avec cette nouvelle technologie différenciée.